Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez Defitech, vidéo truc et astuce, comment nettoyer correctement votre blender en quelques minutes. Vous prenez de l'eau, vous remplissez votre blender, voilà, même un peu plus si vous voulez, je vais vous montrer. À ce moment-là, vous l'utilisez bien évidemment en fonction manuelle. Si vous désirez le rincer, vous mettez de l'eau claire. Si vous avez eu du lait, je conseille de mettre une petite goutte de savon de vaisselle, pas plus parce que vous allez voir que ça va très très fort mousser. Vous refermez votre blender, vous mettez évidemment le bouchon, ça ne sert à rien de mettre le poussoir à l'intérieur. Voilà, vous réenclenchez toujours comme je vous l'ai dit tout à l'heure, toujours progressivement. Et vous laissez tourner. Si vous le faites directement, vous n'aurez quasiment pas de nettoyage. Vous voyez déjà l'état du bol, juste après le passage de l'eau et du savon. Vous rincez une fois. Petit truc et astuce, si vous avez mis trop de savon, n'hésitez pas à remettre de l'eau claire. Un peu plus, vous refermez votre blender. Et ça repart. Grâce à ça, vous allez vraiment dans chaque recoin de votre appareil, vous nettoyez le bouchon, vous laissez sécher et votre blender est propre. À bientôt pour d'autres trucs et astuces. Ciao !